Donc les filles, devinez où je suis. Action. Rayon. Alors rayon scrap, il n'y a que dalle. Voilà. Je sais pas où c'est le rayon scrap. Là c'est les cartes postales. Ah mais si en bas. Ah bah purée, il n'y a pas grand chose. Hein. Oh, au secours. Au secours, il n'y a que ça. C'est quoi ça? C'est pour faire des boîtes. Ouais, il n'y a que ça. Il n'y a que chi. Voilà. Il n'y a rien. J'ai des X-Meus là. Il y en a un qui traîne. Voilà. Un seul. C'est tout ce qu'il y a. Il y a que dalle. Ou alors c'est un autre endroit, je sais pas, mais. Je ne vois rien du tout. Il y a du ruban. Il est beau ce ruban là, regardez. Ah, il est beau pour mettre au resto. Ah, je vais en prendre pour faire des nœuds pour mettre au restaurant. J'ai plus quoi. Donc ça j'en veux, j'en avais plus. Et bah, j'ai juste trouvé deux trucs, c'est tout. Là, il n'y a que dalle, que je ne dise pas de bêtises. Non, il n'y a rien. Et les albums, ils sont pas là. Attendez, je vais demander à la dame à côté. Donc on m'a dit que c'était là et que si c'était là, et ben il n'y en a pas. Voilà. Donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça c'est les lumières. Moi je voulais des toutes petites lumières. Je veux pas des grosses lumières, c'est pour mettre dans les. Est-ce que ça c'est quoi ça? 80 LED, non je veux pas 80 LED. Je vais prendre 20 LED. Hein. Est-ce qu'il y a un petit truc pour fermer ou je sais pas. J'en sais rien mais je veux des petites LED. Il y en a plein mais c'est pas ce que je veux. 48. Ah ben non, je vais prendre 20. Hein. C'est 48 après, j'ai pas. Oups, là, la dame elle passe, elle dit même pas pardon. Voilà, ça veut dire bouge tes fesses, bouge ton huile. Voilà ce que ça veut dire. Oh, regardez, il y a des belles tasses là. Je pousse le chariot, moi. Ah oui, hein. Je pousse la chariot, quoi. Oh, il y a un gamin qui chiole. Ah, il crie maintenant. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je suis allée voir plus loin. Ah si, je les vois, ils sont là-bas. Ça y est, je les ai trouvés, les filles. Regardez. Je les ai trop bas. Mais j'ai pas trouvé les grands blocs. Voilà. Mag, elle m'en avait pris. Ça y est, je les ai trouvés. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Ils sont à combien? 0,99, ça va. J'espère que c'est dans le bon truc. Hein. Celui-là, est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Oui, je l'ai déjà prise. Et les autres, c'est les mêmes. Je ne sais pas combien il y en a. Non, mais je ne vais pas tout dévaliser, les filles. Hein. Et en bas, il y a les trucs comme ça, là. Et du coup, je vais en prendre un de chaque. Parce que Mag, elle m'en avait pris. Mais, je les ai pas tous. Ça, c'est quoi? Attendez, je vous reprends. Bon, du coup, j'ai tout pris. Hein. Enfin, j'ai pas tout pris. Hein. Mais il n'y a pas les grands blocs. Ça, c'est joli, mais c'est gros. Non, c'est trop gros. C'est trop gros. Je ne relève pas le. Il faudrait que je trouve un pot en verre parce que j'ai les enfants qui veulent fêter leurs 10 ans de mariage et en même temps mes 60 ans. Et avec la mamie de Kevin, je voudrais faire une surprise. Mais il me faut quelque chose en verre transparent pour faire une surprise aux enfants. Mais là, je vois pas. Après, il y a ça.
Mais ça, c'est quoi? Ça fait. C'est pas très joli. Non, c'est pas très joli ça. Pour faire pour Mathieu et Kevin. Bon, on va aller de l'autre côté parce que je trouve pas ce que je veux. Donc, du coup. Si, j'ai trouvé les blocs. Ça, là, ma chauffeur, elle est là. Là, à côté de moi. Il a dit qu'il fallait qu'elle me dépoussière. Donc, du coup, je suis sortie. Pour me dépoussiérer, je montre pas la tête des gens, les filles, vous allez avoir mal au cœur. C'est trop joli ça, les filles, regardez. Oh, le manège, il est trop beau. Oh, c'est joli ça. Hein. C'est tout bien joli. Après, il y a ça. Et, je voulais un truc pour... il me faut un panier pour mettre au restaurant. Où je vais trouver un panier, moi. Elles sont trop jolies, les casse-noisettes. Regardez. Oh là là, ceux-là, ils sont trop beaux. Attendez, je vous reprends. Bon, bah, j'ai rien trouvé. Il n'y avait que dalle à Action. Les rayons, ils étaient complètement vides. C'était le bordel partout. J'aurais mieux fait d'aller aux Action, au Magalvin. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Oui, j'ai une tronche fatiguée. J'ai travaillé pendant 3 jours. Demain, je vais en cuisine, donc je ne peux pas encore aller chez le paysagiste hein, pour me refaire couper les tiges qui dépassent, n'est-ce pas? En plus, il pleut, donc du coup, ça m'a fait de la chouquette. Bon, tant pis, je vais la tenir, hein, voilà, comme ça. Hein? Oh, non. Bon, je vais vous faire un haul en rentrant, mais c'est pas... voilà, j'ai pas trouvé de ouf, hein. C'est pas... bon, j'ai des trucs, là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Ouais voilà, donc du coup là on a été, c'est le petit magasin bio qui est juste à côté. Parce que ce soir on va faire des lasagnes. C'est ma journée libre aujourd'hui, je mange ce que j'ai vu. Mais avec modération, n'est-ce pas? Du coup, il est parti chercher une salade avec des tomates cerises. Puis on va rentrer parce qu'en plus le temps il est pourri. Voilà. Il pleut, bon ça fait longtemps qu'on avait eu de la pluie. Et alors le régime comme j'aime, on en parle. Du coup j'ai fait le premier mois, d'accord, il me reste encore des plats et puis des soupes et tout ça. Et puis la personne devait me rappeler le 2 novembre et on est le 12 novembre. C'est vachement sérieux je trouve. Voilà. Donc j'ai payé 589 balles, bon j'ai quand même perdu 4 kilos. Hein. Et oh ça se voit les filles, oh hey, regardez. Bon à part le truc là où il faut que je tire, mais quand même, voilà. Donc du coup voilà, donc du coup j'ai pas renouvelé, hein, je vais pas leur courir après. Hein. Elle devait me rappeler. La diététicienne, elle avait bien noté qu'il fallait me rappeler aussi parce que j'avais pas fait une tacite reconduction, j'en voulais pas parce que ça c'est une arnaque. Donc j'avais dit je paye le premier mois, basta, et je verrai pour le deuxième mois. Et bah tant pis pour leur chetron, hein, tant pis, bah, je vais continuer toute seule. J'ai gardé mes petites assiettes et en fait je mets la quantité qu'il faut dans les petites assiettes. Et puis voilà, et puis le matin je mange toujours une petite céréale avec mes yaourts au bon fromage blanc à 2,3%, un fruit. Et puis mon café, et puis j'achète des petites cracottes. Mais ça va faire un mois et demi que je n'ai pas mangé de beurre. Rendez-vous compte, avant, toutes les semaines, je mangeais une plaquette de beurre. Ah ouais, non, mais du pain, du beurre, le matin, le pain grillé avec du beurre, le beurre avec le fromage, ben ouais, dans les pâtes, on met du beurre, dans la purée, je mettais du beurre et de la crème. Donc tout ça, c'est fini, j'ai arrêté, c'est fini. Par contre, le sucré, j'arrive pas trop à arrêter. Du coup, je mange plus mon fromage avec du beurre, mais je le mange avec de la confiture. De la confiture de figues. Voilà. Et puis, le matin, je mets un petit peu de confiture, comme ils ont dit, une cuillère à soupe. Donc, j'ai 2 petites tartines. Donc, du coup, je divise en 2 la cuillère à soupe. Tiens, voilà, mon mari qui arrive. Donc, du coup, ben, je vais vous laisser. Voilà, il va être tout mouillé. Et court, le furet. C'est mouillé. Ça y est, l'hiver est là, bonjour. Ouais, bonjour à tout à l'heure. Attendez parce qu'il va y avoir la radio. Donc il n'a pas trouvé de tomates cerises, c'est pas la saison. Chez les bio, on mange pas de tomates avant l'été. Ben, moi j'avais envie de manger des tomates avec. Bon c'est pas grave, je vais faire des. Faut que je mange des légumes avec, des légumes verts. Ben, c'est de la salade, je vais manger de la salade, voilà. Donc du coup, temps pourri, Action que dalle. Voilà. Et donc voilà, voilà. Donc du coup, ben, on va rentrer à notre maison, hein, n'est-ce pas? Et voilà, on va rentrer dans notre maison.
Oui, non, j'ai maigri quand même, hein, mais voilà, donc je reviens. Oh là, oula, la route, elle n'est pas bonne. Hein. Donc du coup, ouais, je disais, ils devaient me rappeler, comme j'aime, ils ne m'ont pas rappelé. Donc bah, tant pis, je ne leur cours pas après. Maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc du coup, je vais l'appliquer avec, bah moi, je vais faire à manger en fait, sans beurre, sans quelque chose comme ça. Les filles, si vous ne voulez pas mettre de vinaigrette, en fait, mon mari l'a testé aussi. Ah, t'as pas ramené l'huile de noix que Florence, elle a... qui était au bureau ? Non, faut qu'on la ramène. Parce que j'ai mon assistante de direction, Florence, elle a sa sœur qui a des noyers, c'est ce qu'on dit ? Des noyers ? Oui, des noyers. Et qui fait de l'huile de noix. Oula, gros camion de côté de moi. Et qui fait de l'huile de noix, donc du coup, je lui en ai pris. Et du coup, ce que vous faites sur vos tomates ou dans votre salade, salade d'endives ou autre, en fait, vous mettez de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive. Vous achetez dans les magasins bio, en fait, des graines de sésame fumées et vous achetez des graines de lin, fumées ou pas. Moi, j'ai pas pris fumées parce que, comme j'avais les graines de sésame. Et vous mettez ça, en fait, sur votre salade, vos tomates ou autre, avec votre filet d'huile d'olive. Et c'est bon, hein ? Oui, c'est bon. Ouais, voilà, ça évite, en fait, de mettre plein de matières grasses, de faire une vinaigrette. Et vous allez voir, c'est super bon. Non, mais c'est vrai que j'ai maigri, je retrouve... ma figure un peu moins bouffie et moins de avant, mais je mange pas plus et je mange plus de sucre presque. Hein. Le beurre, j'en mange plus. Hein. Ouais, ouais. Ah, plaquette de beurre est toujours dans le frigo hein, depuis un mois. Voilà, ah, c'est pas des bêtises que je vous dis. Hein. Il confirme, monsieur mon mari. Voilà, donc voilà. Donc, du coup, en rentrant, ben, je vais vous faire le petit haul. Après, je vais faire le montage. Là, on est dans les bouchonnages. Voilà. Et donc voilà. Du coup, ben je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Oh, j'ai deux gros partenariats qui sont arrivés, les filles. C'est trop chouette. Trop chouette. J'ai eu un partenariat à Temu, là, pour Déco Noël Maison. Et là, j'ai un autre partenariat qui va arriver bientôt avec Temu. Décoration du restaurant. Et la fille avec qui je travaille, Fanny, elle est hyper sympa. Elle est adorable comme tout. Et puis, ouais, là, j'ai reçu un partenariat. Il est pas mal, hein. Loclic. Ah ouais. Je vous dis pas ce que c'est chez Loclic. Mais je vous dis pas ce que c'est, mais c'est sympatoche, c'est sympa. Tout le monde peut le faire. Et puis sur les marchés de Noël, nous quand on sera à la retraite, on fera les marchés de Noël. Voilà. Et bah, sur les marchés de Noël, vous pouvez vendre tout ce que vous pouvez faire avec. Je trouve ça hyper chouette. Voilà. Bon bah du coup, ce coup-ci, je vous fais des bisous, je vous reprends tout à l'heure. Bon, me revoilou. All action. Alors, quand je vous dis qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait même pas de billes, vous savez, que je prends pour faire en guise de souplines, parce que ma machine à laver, elle prend plus les souplines liquides. Voilà. Donc, il restait juste ça. Alors, ça, je l'ai trouvé, ça fait deux fois qu'on est passé devant, il n'y en avait plus qu'un, c'était celui-là. Donc, c'est Fabulosa, fabuleusement bien, n'est-ce pas? Je l'ai déjà pris, mais les petites billes, elles se sentent moins fortes, en fait, que les grosses. Voilà. Donc, celui-ci, il est à 3,99. Je le rangerai après. Ensuite, après, ça, Lénor. Alors, ils sentent bon, sauf que moi, j'en ai acheté à Super U quand j'y étais l'autre jour. 8 balles le truc. Mais par contre, ça sentait dans la maison, mais je n'avais même pas ouvert que ça sentait partout. Et là, j'ai l'impression que ça sent pas la... Voilà, c'est pas une odeur de ouf. 6,19. Voilà. Donc moins cher, mais je sais pas si la. Voilà, si la si c'est très bien. Enfin bref, vous m'avez compris. Hein, si vraiment la recette dedans, c'est la même. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Il est trop bien. WC Active Gel, hygiène fraîcheur, ambi pur, nettoyage efficace, eucalyptus et citron. Mais moi, on a une fosse septique, en fait. C'est même pas une fosse septique, c'est tout à fait autre chose. Et je ne sais pas si ça va dans la fosse septique. Je ne sais pas. Un endroit frais et sec, je ne sais pas. Bon, je m'en sers, en tout cas. Les toilettes ne sont pas bouchées, hein, d'accord. Du coup, mon mari, il a repris du Ushuaïa, mais c'est pas les mêmes. C'est bizarre, la Polynésie. Ah non, c'est pas les mêmes, parce que j'allais dire la couleur est pas pareille. Alors ça, c'est huile d'onagre, fleur d'oranger.
Oui, ça sent un peu, hein. Et celui-là, c'est huile de monoï et roucou. Je vois. Bon, je vois. Moi, je vais pas de gel douche. Moi, je prends du savon. Parce que vous savez que la douche, pour moi, c'est très galère. Donc, je prends du savon parce que le savon, ça se rince plus vite. Voilà. C'est plein de petits trucs qu'on met en place, hein. Je vous parlerai parce que je me suis pris la tête et j'ai envoyé. Voilà. J'ai envoyé sur les roses, ça m'a gonflé, donc voilà. Ensuite, j'avais plus de petites finish power lavage, 7,58 et dedans il y en a 55, c'est pour le lave-vaisselle. J'ai pris du sel, mais je peux pas vous le montrer, à 1,29 € en finish, sel pour lave-vaisselle, il est percé, donc je vais pas m'amuser à vous le montrer, puis tout renverser par terre, c'est pas la peine. Ça, les filles, pour nettoyer votre lave-vaisselle, c'est nickel. En fait, vous retirez juste la petite capsule qui est là sur le dessus. Vous retirez toute la vaisselle qui est dans votre lave-vaisselle. Vous mettez dans le panier à couvert et vous mettez un cycle à faire. Et nickel, ça nettoie super bien. Voilà. Donc ça, c'est au prix de 2,39 €. Moi, je le fais à peu près une fois par mois. Voilà. Ensuite, après, bah, Fabulosa, c'est fabuleux. J'ai la vie qui est devant la porte vitrée, vous devrez aller voir papy. Mais bon. Ah bah attendre, hein, je finis mon truc. Le kitchen, donc j'ai pris en gros bidon. Il est très bien, ils sont super bons. Et celui-ci, c'est le Fabulosa Bass Chaume. À 1,62 €. Bah, puis là, il y a la carpette qui est là-haut. Et celui-ci, c'est pareil, 1,62 €. Ok. Ensuite, ouais, j'ai pris pas mal de produits d'entretien parce que moi, je prends tous mes produits d'entretien là-bas. Ceux qui disent que les lingettes ça pollue, il faut prendre du truc machin, vegan, déjà, je sais pas quoi, je fais ce que je veux, d'accord. Et en plus, moi je les recycle, oui, tout à fait. Bien évidemment, pas quand je vais nettoyer les toilettes, hein, ouais. Donc c'est là, c'est normalement fait pour faire le sol. Moi je m'en sers pour faire dans ma salle de bain, autour de l'évier et tout. Voilà, quand on s'est servi de l'évier, bah je fais. Moi, je nettoie tous les jours, donc autant vous dire que voilà. Hein. Donc, 1,98 €. Et une fois que je m'en suis servi, je les mets à sécher, d'accord. Et je m'en sers pour le scrap, voilà, pour la colle. Et vous allez voir, c'est nickel. Voilà. Donc, ceux-là, je prends toujours ceux-là aussi, ces gros paquets. Turbo Power, Blue Wonder. Ils sont à 3,98 €. Dedans, il y en a 72. Et ils sont très, très bien. Voilà, pareil, je les fais sécher quand je m'en sers pour faire le tour, bien sûr, pas quand je fais ma plaque de cuisson qui est grasse ou n'importe quoi, mais quand je vais nettoyer le tour, voilà, l'évier, choses comme ça. D'accord? Ok. Ensuite, après, bon, bah, c'est tout. Ah, bah oui, bah non, bah oui, j'en ai déjà mangé deux, j'aurais pas fallu que j'en achète. Ça. Aïe, aïe. Et alors, ça, bah évidemment, j'en ai mangé un. Caramel, beurre salé, les Twix, là. Bah, 2,26 €. Et j'en ai déjà mangé, hein. D'accord. Voilà. Mon Dieu, Sylvie, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, Loulou, je sais que tu veux aller avec papy. Mais tu attends que mamie, elle est finie, mon cœur. Je vous ai montré ces gros rubans. J'en ai pris qu'un. Merry Christmas pour faire des nœuds. Je crois qu'il était à 0,99 €. Hop. On va retourner dans le sac pour emmener à la scrap. Alors, j'ai pris ces petites lumières à 0,99 €. Il y a 20 LED, mais je ne sais pas si... Ah bah si, c'est ça que je voulais. Tout à fait. J'aurais dû en prendre plusieurs. Moi, j'aime pas ouvrir les trucs dans les magasins. Et voilà, ça marche à pile. Et du coup, vous pouvez faire une petite créa avec ça. Et voilà. Bon, bah c'est pas grave. Fini, pas grave, j'en reprendrai. Hein. Voilà. Tac, ça va là-dedans. Ensuite, après, j'ai pris de la Twin couleur rouge, parce que j'en ai plus, je m'en suis servi beaucoup, à 0,94 €. Pareil, j'aurais dû en prendre deux, une verte, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai ces petites perles-là, qui sont toutes mignonnes, toutes brillantes pour Noël. Hop. Hop, ils sont à 0,74 €. Tac, on le met dedans. Alors, il y avait en vrac, mais alors de chez en vrac, hein, Hello One Again, ces petits,
Alors, c'est même pas pour Noël, ces trucs-là. Je sais même pas. Je sais pas. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre leur fonctionnement. J'ai pris ces petites planches de déco qui sont très automnales, mais c'est pas Noël. Voilà. Mais mon mari me disait, je pense que ça va être dans tous les commerces pareil. Celui-ci, ça doit être de la Saint-Valentin. Je l'avais pas, XOXO, hein, je t'aime, je t'aime. Celui-ci, ça devait être pour la rentrée scolaire. Il y a les Rubik's Cube, il y a les petits trucs marqués notes. Ça, ça va être pour mon... Comment ça s'appelle? Pour mon bouquin où je fais toutes mes... Où je marque toutes mes affaires de vidéos, je vous montrerai. D'ailleurs, vous me l'aviez demandé et je ne voulais pas faire. Là, c'est un peu partir en voyage, il y a les valoches... Oui, voilà, il y a la salle de bain, les fleurs, voilà, l'ordinateur, voilà, un espresso, etc. C'est pour partir en vacances. Là, bah, ça, c'est de l'été, hein, parce que je vois qu'il y a du appareil photo, des lettres, un autoradio, un chapeau s'il fait du soleil, le pique-nique, tout ça. Voilà, ça, c'est des planches qu'ils ont ressorties de je ne sais pas quelle année. Mais je ne les ai pas eues. Là, je l'ai pris parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fois où il y a marqué « Happy Birthday ». Donc, voilà, ça, c'est pour un anniversaire. Tac. « Happy Birthday », il est marqué beaucoup de fois. Et du coup, moi, je l'utilise beaucoup. Et ça, c'est du « Vintage for you ». Voilà, bah, il y a aussi les valoches avec la machine à écrire, le café. Hop. Hop. Mais j'en ai pas trouvé de Noël. Voilà. Mais mon mari me disait, avant, quand on allait à métro, vous savez, métro, c'est où tous les commerçants vont principalement se fournir. Après, il y a un promo cash, mais c'est pas la même chose. Et en fait, moi, je me rappelle, quand on avait notre ancien restaurant, Mathieu, il est né en 92. On a pris le restaurant en 93, ouais, c'est ça. Mais il y avait des décos de ouf à métro, mais c'était la caverne d'Ali Baba. Et là, que dalle. Ils font plus les piles. Ils font plus non plus. Je sais plus ce que c'est. Il y a plein de choses qu'ils font plus en fait. Et bah, ils disaient que métro, c'est pareil, ils sont en perte d'activité. Mais je crois que là, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vont être complètement. Je crois que ça va pas être très joli, mais bon. On fait ça avec, hein. Donc, ceux-là, Mag, elle me les avait pris. Donc, là, ils y étaient. Je les ai repris. Bon, vous les avez déjà vus, hein. Je vous les remontre pas. Voilà. Holidays. Des petits sapins. Je m'en suis servi pour faire le calendrier des 4 dimanches en forme de maison. Voilà. Puis après, vous avez... Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, bah ouais, c'est mes couleurs. Hein. Ça, c'est des petits sapins. Voilà, puis après, vous avez tous les petits décalcomanies qui vont avec. Hop. Les crayons de Noël, moi, j'ai bientôt fini. Donc, la lumière, elle s'éteint. Voilà. Ça, c'est celui avec les petits lutins. Bah, vous l'avez vu, hein. Il y a des pages dorées, hop, des petites maisons, des fleurs, sapins, cadeaux. Et après, bah, il y a tous les petits die-cuts qui suivent. Hop. Celui-ci que j'adore, il est trop beau. Maga me l'avait pris en double parce qu'elle savait très bien que j'allais l'aimer. Et du coup, bah, comme je m'en suis servi, j'ai plus de feuilles, bah, je l'ai repris. Et il est trop joli. Les maisons, elles sont trop belles. On se croirait dans des dessins animés. Après, les papiers, bon, voilà, c'est pas du ouf ouf. Mais par contre, j'adore tous les petits die-cuts. Ouais, la maison, elle est trop belle. J'adore. Les die-cuts, ils sont trop beaux. Et celui-ci, Maga me l'avait pris aussi. Mais comme je l'aimais beaucoup, je l'ai repris. Là, il y a plus de papier, vous savez, voilà. Avec là, vous pouvez faire des créas avec ça, mais là, ça, j'ai fait une créa avec le petit truc enneigé. Voilà, et les die-cuts, pareil, sont très jolis dedans.
Voilà. J'en ai deux qui sont devant la porte, là, qui attendent. Ils veulent aller voir. Alors ça, j'en ai trouvé un qui traînait avec la vaisselle. La nana, genre, elle m'a même pas dit bonjour quand je lui ai demandé. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que... bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je peux trouver tous les blocs de scrap de Noël? Ben, s'il n'y en a pas là, il n'y en a pas. Merci. Au revoir. Vous avez été vraiment, vraiment amabilitationnée. Hein. Très aimable, madame. Merci. Vous êtes heureuse d'être là. Eh, on est commerçant ou on ne l'est pas. Hein. Voilà. Je sais qu'il y en a, ils ont envie de travailler, mais même si vous travaillez, bah, que vous n'avez pas un gros salaire, bah, je sais pas, moi, c'est quand même la joie. Il y a des gens qui voudraient travailler, qui sont handicapés, qui ne peuvent pas y aller, qui voudraient bien avoir votre place, quoi. Donc, la moindre des choses, c'est de dire bonjour. Hein. Voilà. Enfin, bref, c'est pas grave. On passe à autre chose. Sinon, j'aurais été très, très mal aimable. Pas impoli, mais très... comme hier, il y a... Oh non, mais... Y a des fois, je vous jure, c'est un sketch, un sketch. Il y a deux personnes qui rentrent manger au restaurant. Hier, on était le 11 novembre. Et on a eu beaucoup de couverts. Et du coup, il y a un couple qui rentre au restaurant. Je les installe, tout, je donne la carte. Et puis, on avait quand même plus de 70, 75, 80 personnes. Hein. Donc, du coup, mon mari a été obligé de passer en cuisine. Je vous expliquerai pourquoi quand j'aurai fait le STC de la personne. Donc du coup il était en cuisine et du coup j'avais mes deux petites étudiantes derrière et j'ai dit à Bage bah passez derrière parce qu'il y a que les deux étudiantes donc ça va faire un peu short donc j'étais toute seule avec Christophe devant mais Bage il tournait en fait puis moi hier j'ai morflé ma tronche hein. Oh, on m'a mis dans les quand il m'a vu dans l'état il est j'ai dit non laisse tomber je disais moi je dis toujours ma tête parle à mon corps allez vas-y bouge-toi vas-y avance vas-y bouge-toi allez avance voilà, c'est bientôt fini allez avance vas-y bouge-toi c'est ce que je me disais dans ma tête voilà donc je suis pas folle hein. Et puis j'ai repris de la morphine, 40 mg au milieu du service. Et du coup, c'était pas le sujet. Donc du coup, je les installe, je donne la carte. Et puis, je vais prendre les boissons des personnes qui sont arrivées avant. Et ensuite, après, je vais prendre la commande des personnes à qui on a servi les boissons, ce qui est tout à fait normal. Donc, ils ont dû attendre les 5-10 minutes avant que je vienne. J'étais prête à y aller, ils se lèvent. Donc, du coup, la femme met son manteau, le monsieur s'en va, donc je savais qu'ils allaient partir. Hein. Donc, moi, je leur dis, ben, je vous souhaite une agréable journée, messieurs, dames. Bon après-midi. Il me dit, c'est ironique. Ben, je dis, oui, c'est très ironique, monsieur. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Et il me dit, non, mais 5 minutes à attendre pour avoir une boisson ou un apéritif, c'est inadmissible dans votre établissement. Ben, je dis, monsieur, vous savez quoi? Allez chez McDo, il y a tout ce qu'il faut. Alors, mais maintenant, moi, ça, je vous jure, maintenant, moi, c'est comme ça. Parce que les gens, en fait, ils prennent pas de gants pour vous parler. Il aurait pu me dire, bah, excusez-moi, quand il est rentré, excusez-moi, on est pressé, est-ce que vous pouvez nous servir rapidement? J'aurais dit, non, nous, ça, on sait pas faire. Rapidement, c'est que du frais, nous, faut que ça cuise. Les ravioles, c'est 20 minutes, les andouillettes, c'est 20 minutes. Enfin, bref, voilà, nous, tout est fait à la demande. On n'est pas une chaîne, on n'est pas une franchise. Hein. On n'ouvre pas la pochette pour mettre dedans et la sauce, la pochette et tout. Et voilà, et après, là, ce week-end, on avait un faux filet cimental avec les légumes, la sauce et tout. Donc, c'est une viande qui est très, très bonne et très tendre. Et du coup, samedi, on avait tout vendu, dimanche, on a tout vendu. Donc, du coup, mon mari, bah, il en a du frais, donc il est obligé de tout recouper, dépouiller et tout. Parce que nous, en fait, on reçoit les... Mon mari va chercher les morceaux, mais ils sont entiers, donc on est obligé de les détailler. Et du coup, il en a fait pour le 11 novembre. Et tout se passe... Mais personne ne s'est plaint, rien du tout. Tout a été super bien. Et là, une table de trois, il y avait deux femmes et puis un homme qui avait déjà un certain âge, près 75, 80 ans. Et je leur demande si ça a été. Et lui, il me dit... les femmes me disent, oui, ça a été. Et lui, il me dit, non, ça n'a pas été. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça n'a pas été? Votre viande, elle est imbouffable. Ben, je dis, monsieur, elle est où, votre viande? Ben, il me dit, je l'ai mangée, bien évidemment. Ben, je dis, si elle était immangeable, fallait me le dire, monsieur, puis je vous l'aurais refait. Et vous auriez mangé une viande mangeable. Ben, je dis, qu'est-ce qu'elle avait qui était immangeable? Les deux dames, elles l'ont mangée et ça a été... elle était dure, mais dure comme je sais pas quoi. Je dis, comment?
J'ai dit, ma viande, elle est dure. J'ai écouté, là, j'en ai servi plus de 35 à midi. J'ai personne qui s'est plaint, les deux dames à côté de vous. Oh, puis j'ai dit, vous savez, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Est-ce que vous avez un dentier, monsieur? Donc, comme demander ça. Ben, je dis, parce qu'il va peut-être falloir le changer. Voilà. Sylvie, elle prend tout à la rigolade. Et ouais. Bon, sur ce, j'ai trouvé donc du coup que cela. Maga m'en avait trouvé d'autres. J'ai trouvé cela. Cela, je sais pas si je vous les ai montrés. Mag m'en avait trouvé. Mais il y a celui-là qu'elle n'avait pas pris. Celui-là. Il est très très vintage. Et il y a un truc en fait, ça me fait trop penser. Ouais, moi, je l'ai eu cette télé-là en noir et blanc chez ma maman. Et ouais. Ah, mais ouais. Et ça, les filles, sur les boîtes à gâteaux. Et ben ça, on l'a eu aussi. Ah, ouais, c'est très vintage. Hein. C'est très vintage, mais c'est joli. Hein. Il est très très vintage, mais voilà, il est très joli. Vous voyez? Pour faire des cartes postales. Moi, je... Ah, mais regardez le petit garçon là, ça vous fait penser à quelque chose. Eh ben ouais. Hein. Non, il est très beau celui-là. Happy Holiday. Il est très joli. Donc, du coup, il va dans le sac. Celui-ci, je crois que Maga me l'avait trouvé. Non, elle ne me l'avait pas trouvé. Si? Elle me l'avait trouvé ou pas celui-là, Mag? Non, je ne l'avais pas. Non, je ne l'avais pas. Voilà. Il est un petit peu plus simple. Je suis dans la cuisine. C'est pour ça que la lumière, elle n'est pas pareille que dans la scrap. C'est tout sur le ton bleuté. Hein. C'est bleuté, bleuté. Voilà. Du bleu, du bleu, du bleu, et du bleu, et du bleu. Hop. Celui-là, ben, je crois que je vous l'avais montré avec le manège et tout. Mais vous avez dû les voir dans d'autres vidéos. Bien évidemment, je ne suis pas la seule à présenter les carnets de chez Action. Bon, si je vous ai fait rire un peu, les filles, tant mieux, hein. Ça fait du bien de rigolationner, mon Dieu. Mais je comprends pas, il y a des gens. Ils... Oh, bah oui, mais je vous ai pas dit. Ah, bah non. Ah, bah non, mais c'était un sketch week-end. Un sketch. Oh là, mon Dieu, j'étais malheureuse pour cette pauvre dame. Et puis les clients qui étaient à la 28 et la 29. C'est la table à côté de la caisse. Ils étaient hyper malheureux pour cette dame. Mon Dieu. En fait, pendant que je vous montre ça, je vous explique. En fait, vous savez qu'on a une boutique à l'intérieur du restaurant. On vend des habits, on vend des chaussons, on vend des chaussures, on vend de tout. Qui sont un peu bizarroïdiques et un peu excentriques et un peu, voilà, comme moi. Des choses que l'on ne trouve pas. Voilà, qu'on ne trouve pas. Qui ne sont pas basiques. Et. On a fait rentrer des chaussons qui sont super chouettes avec des petits nœuds et des petits nounours. Et les autres, c'est en forme de chat. Voilà. Et du coup, il y a une petite dame, son mari vient payer à la caisse. Oui, il doit avoir 75 ans, il vient payer à la caisse. Et puis, la dame, elle, pendant qu'il était en train de payer, elle va aux chaussons et elle revient. Puis elle lui dit, attends, je voudrais prendre une paire de chaussons. Son mari. Va me reposer ça tout de suite, t'en as pas besoin. Comment, monsieur? Vous parlez à qui, là, monsieur? Je parle à ma femme. Non, mais vous parlez à votre femme comme ça. Et du coup, les gens de la 28 et de la 29, ils l'ont entendu. Et puis, ils ont dit, mais monsieur, vous pouvez pas respecter votre femme. Il dit, mais comment vous lui parlez à votre femme? Elle a l'habitude et ça vous regarde pas. Mamma mia. La pauvre femme, elle est venue, elle était à côté, elle m'a regardée. Non, mais cette femme, elle doit être soumise. Elle était comme ça. Et ben, je dis, madame, je vous souhaite un bon courage. Mon Dieu. Donc, elle monte vite. Hein. L'humain, plus ça va, plus l'humain, et je me penche plus vers les animaux. Voilà. Mais bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Donc, j'ai trouvé ce bloc. Je ne vous montre pas, il y a toutes les feuilles qui sont dessus. Pareil, ça c'est pas un bloc de Noël, hein. Il était tout seul, il traînait. Il a dit à Sylvie, tiens, viens voir par ici, si j'y suis, tu vas me prendre parce que tu ne m'as jamais eu. Voilà. Je sais pas, ils doivent ressortir les trucs des fins fonds pour, vous savez, pour l'inventaire, pour pas avoir à trop compter.
Si il tombe sur une comme moi, bah elle va le prendre. Mais après, je prends pas pour prendre. Hein. Ça, j'en avais plus. Et ils sont super bien pour faire des cartes. Pas pour faire des créas. Parce que le papier, je trouve qu'il est trop épais, 270. Et en fait, quand on le cuit, il craque. Voilà. Donc moi, je fais pour faire des fonds de. Pas des fonds de tarte, mais des fonds de. Alors pareil, plus d'enveloppe, plus de cartes, plus de. Comment ça s'appelle? Plus de plastique, vous savez, pour mettre les. Alors, je sais pas si c'est dans toutes les actions comme ça. Plus de plastique, vous savez, pour mettre bah, les cartes dedans quand on les a faites. Ou voilà. S'il est fait. Donc j'ai repris de. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de. C'est du jaune, du violet et du vert. Et du rose. Voilà. Donc voilà. Bon, après ensuite, on va rigolater un petit peu. Ça, j'ai pas trouvé le prix. C'est des pastèques. Des morceaux de pastèques. Mais j'ai pas trouvé sur ma feuille. Donc voilà. Ensuite, bah oui, parce que c'est bientôt Noël, donc il va falloir allumer le sapin de Noël. Elle en a, elle est trop belle cette tablette. Regardez. C'est que de la paillette. Oh, mais j'adore trop. Ah ouais, non, mais elle est trop belle cette. Du coup, je pense que. Oh là là, bon oui, non, mais il faut maquiller comme ça avec les numéros et tout. 1, 2, 3, 1. Ok. Le 1, il est où? J'en sais rien. 1, 2, 3, 1. Light, base et dark. Ah, mais c'est marqué en blanc. Starlight. Martian, météore, phonix, dusk et black. Ben, tu fais comment pour reconnaître? Ah, les yeux appliquent le darker shade. On the crease of the eyeliner to get that tapping effect softly blend the edge. J'ai tout compris. Ben, je sais pas. Le 1, le 2 et le 3. Ok, ben, bien sûr, moi je veux bien le 1, le 2 et le 3. C'est base, dark et light. Mais ils sont où les bases dark et light? Éclipse, solar, Éthiopia, cosmos. Mercury, Space, bah je sais pas. Je ne sais pas les filles, si vous savez, vous pouvez me dire lesquelles sont les light, base et dark là-dedans. Alors je pense que dark, ça doit être ceux qui sont pas pailletés, là, qui sont foncés. Light. Ça doit être ceux où il y a les paillettes. Et base, bah je sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et j'ai trouvé, je les voyais passer, je les voyais passer. J'ai dit, si je les trouve, je vais essayer. Donc, ils sont au prix de 2,49 €. Et c'est des glossy pour mettre sur les lèvres. Pour te faire fameusement belle. Je dois rappeler mon fils à 17 h. Je ne sais pas ce qu'il veut. Alors, voyons voir. Le glossy de chez Glossy. J'espère qu'il y a une bille au bout. Ah non, même pas, ça se met comme ça. Oula, ça c'est rouge de ces rouges. Alors, on essaye les filles. Hein. D'accord? Attendez, il faut que ça sorte. Vous savez, c'est un petit truc comme ça là. Attendez. Est-ce que ça fait rouge? Non. Ça fait pas de couleur sur les lèvres, ça? Un peu quand même, si. Il a dit un peu. Ça donne-moi un mouchoir pour que je me suie les lèvres pour te stationner. Mais ça colle, hein. Ça, c'est pour empêcher la Ah colle de si. passer, ça. Voilà. Bouche Allez. fermée, connerie. Non, Non, ça bouche va. fermée empêche la connerie de passer. Bien, bravo, magnifique. On Voilà. est heureux de le savoir. Celui-là, il est marron. Regardez. Allez, on essaye. Mais je vois pas, moi, que ça fait de la couleur. Oh, un peu, mais alors, c'est pas du foufou, hein. Ah, celui-là, il marche pas beaucoup de marron. Alors, celui-là, il est mélangé, on dirait, un peu couleur bonbon, regardez.
Du coup, on va le faire sur la main, hein, vous verrez mieux. Celui-là, il ne doit pas faire grand-chose. Ah si? Regardez. Si, il marche. Tu pourras ramener ça dans ma scrap, s'il te plaît. Merci bien. Oh, celui-là, alors ça, celui-là, c'est pour faire la star, ça. Ça, c'est de la brillance. Ça brille. Ça brille. Attends. Le bruit, c'est mon mari qui ramène. Oh bah là, ça fait pas grand-chose. À part des paillettes. Là, pour briller, vous allez briller. Hein. Ça, pour Noël, c'est magnifiquement magnifique. Hein. Puis alors, les paillettes, il y en a. Hein. Et celui-ci, c'est Velvet Kiss. Celui-ci, c'est le truc du baiser. Alors, on va regarder. Hop. Oh là! Ouh là là! Celui-là, il est bien rouge. Ça, c'est rouge de ces rouges, hein. Mais ça colle, hein. Purée. Voilà, bon, Sylvie, elle a fini ses conneries. Hein? Ça, je vais les ranger. Je vais ranger les trucs qui me font de l'œil là sur le côté, parce que sinon. Là, j'avais sorti ça pour 4 heures et du coup, j'ai mangé les trucs de chez eux là. Je dis pas trop fort parce que j'ai mangé des chocolats. J'ai mangé des Il a chocolats. même de faire régime. Tiens, voilà, m'en doutais. Il y a longtemps que j'ai pas mangé de chocolat. Alors, ça suffit, hein. Faut te calmer, hein. Tu les emmènes un peu? Ben, c'est tout mouillé, hein. Ben oui, mais ils Il arrêtent pas. pleut. Ben oui, ben il pleut, ben ils se fuient. Ben regardez, les chiens, ils regardez, voilà, ils s'en vont et les chiens, ben voilà, ils veulent y aller. Voilà. Voilà, ils regardent et ils se disent, ne regardez pas le bazar ici, c'est mon sac de médicaments et mon sac pour aller au resto. Et ils se disent, ben voilà, nous on a encore chmalou, voilà. Bon, allez les filles, maintenant, je vous fais des bisous. C'est pas que je m'ennuie, hein, mais vous allez en avoir marre d'entendre ma voix, n'est-ce pas? Voilà, donc petit hola action. Et puis du coup, ben, regardez-les. Devant la porte, regardez. Les deux qui attendent. Mon Dieu. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, laissez dingo, laissez dingote, scrabez bien. Et surtout, surtout, mais surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.